Partiu, pé esquerdo, uma bola! Sur le 98.4 FM, et donc un an après, on se retrouve peut-être pas au même endroit, mais en tout cas dans la même compétition, toujours avec autant de célébrités, de joueurs qui nous font plaisir de venir nous voir. Hein, aujourd'hui, Riyad Ogudogus, salut Riyad. Salut. Alors, ça t'a tenu à cœur de venir un petit peu parler de... voir un peu de futsal. T'as pratiqué toi un peu le futsal? Oui, bah déjà quand j'étais plus jeune, j'ai tout appris sur les terrains 5 dans le quartier. Et voilà, aujourd'hui nous qui avons la chance d'être pro et voir les jeunes de quartier avoir une telle chance et pouvoir leur donner un peu en venant, leur montrer qu'on les encourage à devenir comme nous, c'est pour nous c'est un plaisir aussi de venir. Alors ici c'est un petit peu la promotion, un petit peu de ce qu'on peut retrouver, comme tu l'as dit, dans les quartiers. Le football de quartier finalement, c'est un peu l'essence même du football. Oui, bien sûr, moi on m'a toujours dit, mes coachs à Sochaux, on m'avait dit que voilà, la technique c'est une chose innée, qu'il y en a qui n'ont pas et qui peuvent travailler toute leur vie, et ça on l'apprend dans le quartier. Donc quand on grandit dans un quartier, on est technique, c'est une chance énorme. Donc, si un jour on a la chance d'être bon, c'est qu'avec un bagage technique, on pourra toujours s'en sortir. Et les meilleurs joueurs de quartier qu'on peut retrouver aujourd'hui en Ligue 1, t'as des noms comme ça? Toi tu te définis comme un joueur de quartier ou un joueur... J'ai grandi dans un quartier, après voilà. En Ligue 1 non, mais je sais que Ribéry, je sais que déjà il a grandi dans un quartier, Samir Nasri, Zidane aussi, Anelka, voilà, tous les joueurs, la plupart des joueurs, beaucoup ont grandi dans les quartiers. Alors toi pour l'instant t'es sous d'autres latitudes, hein, t'es sous le climat corse, comment est-ce que ça se passe là-bas actuellement? Tu t'es bien acclimaté? Oui, franchement c'est voilà, quand on n'est pas là-bas on a une autre image de la Corse, mais après quand on y joue c'est totalement différent, parce que le public sont à fond derrière leur équipe, c'est un peu comme le public de l'équipe d'Algérie, donc forcément quand une bonne saison se passe, le public, voilà, on va dire c'est magnifique. Alors justement, tu nous parles de public, notamment du public algérien. Comment est-ce que tu situerais le public algérien sur l'échelle mondiale? Est-ce que c'est le meilleur tout selon toi? Le meilleur, pour moi c'est le meilleur. Ouais. Franchement, c'est ce que j'ai vu en Algérie, j'ai jamais vu ailleurs. Ouais, peut-être jamais. En Turquie aussi il doit y avoir ça, parce que je sais que les matchs en Turquie c'est chaud, mais pour moi le public algérien c'est au-dessus. Et qu'est-ce que ça va donner justement à cette Coupe du Monde, l'Algérie? Ah, ils ont un groupe plutôt abordable avec bon, la Belgique qui est plutôt pas mal, la Russie et la Corée du Sud. Toi, comment est-ce que tu les vois faire cette Coupe du Monde? Déjà, tout le monde voit la Belgique comme favori. Moi, je ne suis pas d'accord parce que les deux autres équipes sont des très bonnes équipes. Et en ayant participé à la première, je pense que le regret, c'est de ne pas avoir joué les coups à fond. Là, voilà, on est une jeune équipe très talentueuse et voilà, il faudra les jouer le coup à fond et sans avoir de regret à la fin. Sur un train, c'est jamais bon et c'est là où on perd tous nos moyens. Tu seras au Brésil? Faut demander à Vaïd. Faut demander à coach Vaïd. Ouais. Hein, bon, je sais pas s'il est là aujourd'hui. En tout cas, il y a du beau monde aujourd'hui. Tu vas taper le ballon un petit peu avec Céane Garnier tout à l'heure? Non, je dois partir, j'ai l'avion à 18h, donc je rentre à Bastia. Il y a beaucoup de gens qui essaient qui l'évitent un petit peu. Hein. Non. Si j'avais pu, je serais resté, mais 18h30, j'ai le vol, donc je vais partir. Ok. Bariad, on espère te voir au Brésil. Merci. Bonne continuité à toi et à très bientôt. C'est gentil. Merci. Merci.